Ça qu'a fait comment nous y est bienvenue sur plateforme Léonard Choa. Je dis à c'est un plaisir pour me capable bien un frère avec moi. Yes, yes. Nous qui me connaît depuis longtemps, c'est monsieur Seyon artiste, son compositeur en fin de compte qui va le présenter. Watson, bienvenue encore sur plateforme Léonard Choa. Léonard Choa, actualité, il cap fait actualité dans Facebook là. Ya, yeah. Et nous mettre et nous qui mettre nous qui même Mexique dans coup. C'est men. On va gérer toute bail là net. Malgré ça, on va aller rester mais non, on avait formé mon yo, d'abord il y a tes mon yo. C'est quelqu'un qui a géré ça, mais géré ça net. Dis-nous, frère, comment ça est? Eh bien, on connaît, on a même posé dans Mexique là, Mexico City. Ok. Yeah, so. Non, complet, c'est Watson. Watson Augustin. Augustin. Nous allons saluer déjà. J'aime de dire aussi un chanteur, rappeur. Yeah, chanteur actuellement, nous qui mettons production et tout. Ok, production. Yeah. Parce que vous avez étudié musique et. Yeah, au Chili, Santiago. Chili. Ok, avant même que nous arrivions à Chili, Watson, qui année nous avons rencontré sur la République Dominicaine? Pas songer, non? Yo. 2012 ou 13? 2013. 2013, yeah. Nous rencontré. L'MD la première musique. Combien de temps? Il ouais. Y a combien de temps? Laissez-moi comme avec Massita Production, nous avons fait et vidéoclip là pour vous, tout ça. C'est la première fois, c'est première musique et vidéo que tu as lancé? Oui, yeah, première musique. Première musique, première vidéo, tout ça. Ok. Watson, trajet, sorti Haïti, République Dominicaine, et tombé Chili, de Chili, ici de Mexique, de Mexique, qu'on y a, ou pour aller aux États-Unis. Faut t'expliquer nos trajets même temps. Mon cher trajet, pas tellement facile. So, tout le monde connaît déjà que je quitte Haïti depuis longtemps, depuis 15 ans, 16 ans. On. Ok. So, je fais un bon temps Saint-Domingue, après ça en 2016, mal Chili. Il y a le Chili, m'étudier musique, tout le monde. So. Ouais, non, je suis toujours étudier musique parce que musique, on va me finir étudier musique. Fini. Toujours apprendre. So, je fais n'importe 4 ans Chili, moi mettais en production. Ok, vous faites 4 ans Chili. Oui, yeah, mes productions qui étaient War Music. Il y a côté que nous avons réalisé musique, produit, artiste, court-métrage, court-métrage, vous avez fait cinéma, tout ça, mini-série, tout ça. Yeah. Ok, avant même que nous arrivions dans le trajet dans Chili, on va aller à la République Dominicaine. Combien de temps vous avez fait la République Dominicaine? Ouf, moi, wow, c'est un pile, man. Combien de temps imagine à qui l'a joué d'entrée, à qui l'a joué une sortie? Je suis entré à 15 ans, je suis sorti en 2016. Je suis Chili. Vous faites une dizaine d'années comme ça? Plus ou moins, yeah, plus ou moins. Une dizaine d'années, République Dominicaine. Yeah. Comment la vie a été pour République Dominicaine dans l'époque ça? Saint-Domingue, comme si, c'est la République Dominicaine, comme si, c'est Caïmoué. Ok. C'est la Caïmoué, malgré qu'on y a, je ne sais pas si je suis tourné là encore. Là. Je ne sais pas tourner. Je ne pas tourner, mais c'est ça que mal dans ce domaine. Tu dois faire tout ton 10 ans, 20 ans pour avoir des papiers là-dedans. Tu vas jamais légal pour avoir des sortir pas caillou encore. Non, il va à la caillou parce que imagine si je suis dans ce domaine là, je vais rentrer. Et voilà, c'est là que tout le temps. Tu vas jamais arriver à résider là-bas. Non, c'est ça que fait le Mexique respect, le Chili respect tout parce que dans le pays ça. Depuis fond temps, aussi poser des papiers normal, passeport tout bien. Vous respectez le monde. Yeah, et République Dominicaine, qui sont réussi là-bas pendant tout le temps ça? Sont fait même. Ah. Bon, République Dominicaine, moi pas trop reproché. Mm-hmm. Parce que premièrement, les sauver, c'est là fini, c'est là continuer études moi, parce que Haïti m'bat fini l'école. OK. Hier, yeah, elle a fini grâce à Dieu m'apprendre l'anglais, grand pile bagaille dans la vie m'apprendre tout, ouais. So si m'ta dou réaliser kay ba ça ou bien matériel m'ba réaliser nan rien. Monté vivre là-bas pendant temps ça. Yeah, m vive tout bagage normal. OK. Arrivé au Chili, comment est Chili et différence là entre la République Dominicaine, Haïti et Chili, comment tu vois yo même? Non, on va pas comparer Chili avec République Dominicaine avec. Mais parle en expérience personnelle. En expérience. OK, expérience moi bon. Chili a toujours numéro 1. Bueno. Après Mexique, pour moi-même, après Mexique, Chili a numéro 1 dans deux pays. Dans ce pays ici, là-bas? Yeah, yeah, yeah. Chili a numéro 1. OK. Yeah. So, on est là, on étudie. Et finalement, Chili encourage tout parce que plein institutions. Yeah, plein institutions, on peut étudier tout le monde. À l'école, tout ça. Et finalement, on blanc tout. Si on compte ça, on va faire, on compte ça, on va gérer, on peut réaliser plus le bas à Chili. Qui est le premier travail que tu fais l'autre là-bas? Le premier travail, moi, un restaurant, laver vaisseau et puis. Fait un à plat de vaisseau, pile vaisseau bien, bagaille, propre tête bagnon, limpia.
Uh-huh. Et puis après, avec intelligence, moi, je mets dans la cuisine là. Et puis je deviens chef cuisine. Jusqu'à ce que vous arriviez à quitter Chili. Pourquoi vous avez quitté Chili même? Mon cher, vous connaissez. À l'époque, je suis de Chili. C'était un rumeur. C'était un chaleur. Tout le monde va aux États-Unis. Vous comprenez ça? Donc, moi, j'ai une curiosité pour moi, ça aux États-Unis. À la fin, je suis allé former au Canada. So, on devait se préparer parce que parfois pour aller au Chili, trajet est trop long. Oh, on s'amuse, il est trop long. So, on est obligé de vendre toute bagarre, on gagne la production, tout les studios, on vend toute bagarre net et puis on prend route là. Man. So, ah, on fait forêt. Yeah, malgré ça, pas très ici, même t'es fait quand même. Qui année? Mon chef fait en 2019 pour entrer en 2020. Et là, on prend tout décembre, tout 1er janvier, aussi à tout. Non, on prend demi, on nous dit. Non, pas demi pour commencer. Ah, ok. Tout Noël, tout Bayernet. De 2019 à 2020? Yeah. Ok. Regarde là, tout 31 décembre, 24 décembre pour l'endragé. On fait 7 jours d'endragé. Là, nous finissons d'endragé. Mauvaise chose pour moi, je prends un groupe moi, immigration Mexique-Kembin, et puis je fais même. L'autre dit l'autre dans la rage, l'autre sorti dans la forêt, on traversé plusieurs pays où arrivé. Yeah, et tapachou là, qu'on allait arriver avant d'entrer, c'est là où arrivé Kembenou. Yeah, et t'en as pas entré tapachou là. Bon, maintenant, yeah. Elle est ça au Kembenou et puis on fait n'importe 13 jours prison. Oh, 13 jours. À l'époque, ça a été une déportation. Yeah, déportation. Est-ce que c'est dans le même moment crise en bas point, non? Crise en bas point, elle est venue après. 2021, quoi, elle était. Yeah, elle était venue après. Ok, 2020, c'était après. Vous n'avez pas même pile le Mexique même, vous êtes entré dans le Mexique quand même. Mon patrie ici fait le Mexique, man. Et puis vous êtes venu nous tourner. Yeah, vous êtes venu tourner après tout. Ouais, non, les plein de cités, mon, y a retiré mon dedans pour nous-mêmes, nous ne connaissons pas si c'est déportation, si c'est rien. Ok. So, à 4 du matin, ils ont levé. Ils ont dit que nous, ils ont pris le mener dans l'autre prison. Et puis, elle est dans l'air, on s'en a. Je m'a regardé en bas, moi ba yo différent, me dit oh ça va ca Mexique, ça son l'autre, ça c'est Haïti man. Moi ba yo blush. Moi regardé caillou en bas. Yo, me dit shit, moi regardé mon yo. Yeah, ma débaille sous moi boy, so on ti bouche. Non, je me souviens c'était commencement 2020, oui. Yeah, commencement 2020. Parce que me souviens même pas si c'était États-Unis que tu veux retourner. Non, États-Unis pas de voyer. C'est pas ou pas que tu même arrivé sous frontière États-Unis. Non, mon cher, bon, je ne sais pas si tu as même arrivé et tu vas retourner. Oui, yeah, so, malgré. Je suis aux États-Unis, ok, je ne connais pas. Je ne sais pas. Yo, mon cher, premier jour, je descends dans l'aéroport là. Premier jour, je descends dans l'aéroport là, tout va être tranquille. Mais ça qui pourrait frapper, c'est là que la nuit arrive à Haïti pour moi. Ça coule, je me réveille dans cette chambre là, je me dis, quête, mais Haïti, vraiment, shit. Je comprends comme si, wow. Mon cher, avec un peu de stress, je fais un mois à Haïti. Et grâce à maman, je suis allé au backup. Je suis allé à Haïti et je suis arrivé à mettre visa au Bac Saint-Domingue. Au Bac Saint-Domingue. Yeah. Ok, quand on a la République Dominicaine encore, combien de temps tu as fait avant de venir au Mexique là? Ah, ça sent l'autre. Inferno encore. Ça sent l'autre. L'enfer. Oh my god. Imagine, on me fait déporter. Je me fait déporter. À peine moins pile Saint-Domingue, c'est là que la COVID a commencé. Et je me suis dit, je ne peux pas travailler. Ça va quoi encore? J'ai une maladie qui commence à attaquer dans les yeux. So, quand ils ont mis un bap travail, Covid 2, on va sortir. Et puis malade dans les yeux, man. Yo, ça sont un pile tristesse. Oh, souffrance, man. So, fait n'importe un an, bap à web, yeah, man. Garde parfois pour me jambon là, c'est mon bougie jambé. Wow. Yeah, même t'es arrivé publié sur Facebook pour demander aide. Par contre, c'est non, c'est par contre j'aime te quoi d'arriver ouais ça non. Non, franchement c'est là vinn dim ça ici là me connou t'es malade dans yeux parce que gars l'aime pas tellement suivre sur Facebook là tout qui fait me battre comme ça tout. Yeah. Parce que toute là t'es pour ta cana. Et ou t'es que t'as fini équiper ou l'autre fait pizza là-bas. Non, l'aime ou t'es une pizzeria tout bas ça. Malgré mettre pizzeria,
moi pas jamais récupéré. Ah, maladie mais qui altéré tant que la journée, m'ba ouais bien même tant que le soleil là m'ba ka ouais. Tant que si pour moi un monde faut que c'est m'ka ouais l'ombrage mon là ou bien si m'ka habitué à mon là déjà m'ka tendre voile. Okay. Puis m'ka ouais qui j'en marché par exemple. Au moins. Ah ouais ça parfois pour un monde ta connaît malade pour mon nata. Aussi à seulement connaît malade. C'est vous-même qui connaît. Parce que moi connais gens pour dissimuler ça bien, vous comprenez? OK. So dissimuler pour mon pas gain peine pour moi on commence à me dire là. Yeah. Mais malgré à la fin bah ça me font comme publier sur Facebook ça so, m'a demandé aide pour moi si me décale l'hôpital parce que l'hôpital m'était allé en terre, il pas cher. Mhm. On connaît les voir faire gros examen yo. Yeah. C'est en pile corps vous comprenez? So m'lité men so jusqu'à ce que me vienne ouais non après 4 ans. Après 4 ans, je suis venu au Mexique encore et ça fait. Je suis venu au Mexique, je suis fait des choses. Vous êtes venu dans Nicaragua? Oui, je suis passé par Nicaragua. En Nicaragua, vous êtes passé dans un an et quelques mois ici? Oui, dans un an au Mexique. Donc, tout le monde a battu là, on a couru, prendre des vents, je me suis dit, ok, quittez-vous prendre des vents, je suis fait expérience déjà. Ok. Donc, ça a lieu. Mais depuis l'année passée jusqu'à qu'on n'y a pas jamais de déportation pour Haïtiens, non? Pas de déportation vraiment. Vous avez tourné le monde dans Tabasco, vous n'avez pas là, mais pas de déportation vers Haïti exactement. Si on a avantage que nous-mêmes haïtiens nous joignons ici là. OK, pas une déportation, mais là fait là on va connaître. Non, à quel point moment là on attend des boum, on déporte des nouveaux mon aller, on va pas une surprise. Ça fait nous encourager tout le monde qui pense rester là ou bien qui peut quoi aller, légaliser tête non. Yo ban nous faciliter là. OK, quand on là arrivé Mexique là un an épique et dans CBP1 quand même objectif là c'est entre États-Unis, pas vrai? CBP1. Où est-ce jeune là oui? Il y a moins jeune là même. Moins jeune là. Dans jour là m'ta supposé la game. OK. Encore parce que on a regardé l'interview ça après qu'au finalé là parce que il y a que on a regardé l'interview après au finalé. Non, le moment là nous dans Mexico City dans capitale là. Yeah. Parce que après, il y a monde qui a regardé vidéo ça même dans des années après tout. OK. Yeah. Bon, je excusez-moi ça en découper parole. Objectif là, on commence mal pas pour États-Unis. OK. Aussi il pas États-Unis pas dans tête. So merci BP on a toujours enregistré. Vous comprenez? Et tu n'as fait oui? Non pour. So depuis longtemps, depuis l'aime de ces domaines, tout ça que t'es dans ma vie moi. T'as quitté ces domaines avec Haïti, n'importe quoi tout a tombé hein. Moi c'est tapion en chasse, c'est tapion même son gros. C'est tapion en gloire mais il y a opportunité. Ça allez-y. Somme de commencer tout process moi Mexique pour me faire résidence moi, son bail qui est très important. Mais Maron est en folie, m'a demandé l'aile à tomber. On a besoin de pas qu'attendre résidence là vraiment. Yeah, l'aile à tomber sur l'autre sensation, malgré du pas couper aller mais l'aile à tomber mais nous commence à imaginer l'autre bagage. Imaginer l'autre bagage. Vous dites mon famille Canada. Mais on va traverser États-Unis pour aller Canada. Yeah, m'a traverser m'a pas traverser États-Unis puis m'va au Canada. De là au Canada parce que maman au Canada, c'est au Canada. Bon c'est et comment on conjoncture dossier bail. Bon élection a fini passer dans moment que mon n'a des vidéos ça. Élection est passé. Oui, je dis on a filmé 4 des mesures de l'élection. On a regardé des vidéos après l'élection. Jusqu'à présent, nous l'autre vidéo. On a connu les résultats. Yeah. Et puis tout, on a kembe communication, même si on appel. Yeah, yeah. Et nous avons fait une autre interview pour dire comment ça y est pour là-bas. Yeah. Alors, qui rêve vous qu'on a? Vous dites qu'on a traversé les États-Unis pour arriver au Canada. Qui rêve vous Canada? Je rêve là, continuer avec la production. OK. Yeah, continuer avec la production. Et puis... Faire musique, faire cinéma, mais on estime que j'ai chance d'entrer dans Hollywood, bah, mais un acteur international. Un acteur international. Actuellement, là, je fais un petit BC, bah, dernièrement, je suis stressé, et puis je vais frapper au monde. Bah, yo, so. Vous frappez Jim dans le Red? Non, actuellement, là, je fais un BC. Vraiment, je continue à frapper Jim, et puis musique, et puis faire quoi, mais c'est ça, lien. Important. Yeah. Important. Mais après combien de temps vous pensez tourner dans le pays vous-même? Qui répond pour le pays? Haïti, mon cher, elle est pour nous. Ouais, non, maman dit jamais. Man. Uh-huh. Ça va aller prendre les gens ça aider même. Man. Mais imagine si puis gros Perez moi même. C'est trouver Haïti. Ça m'a connu côté me braler même puis gros Perez moi. Alors pas gagner vos pays à même. Actuellement là non. Man. Non. Bah tout puis gros Perez c'est là qu'on m'a dormi. Moi vais moi Haïti et comme si c'est un cauchemar. Yo, moi mais Haïti mais j'en lié là mais imagine ma m'gon l'autre en Haïti. Si mal tombé Haïti mais non zone côté ou pas connaître moi même.
Boakale. Ah, Boakale, moi, vous ne pouvez pas connaître. Qui mon alors, c'est ça qu'il faut payer Haïti, c'est insécurité. Insécurité après. Et si tout le monde est dans Vinoké Haïti? Oh, je vais tourner Haïti, je vais mettre business, je vais mettre arrêté, même, je vais mettre business. Ah, ça belle, mais là, on a payé, mais on enjoy quoi, pas un monde qui a regardé, pas un monde qui a ceci, on va poser des questions, ça belle. Yeah. Ok. Pendant une site là, là, il y a un peu de monde qui a plaigné, qui n'a pas de travail, qui n'a pas bien touché, la vie a cher, et qui n'a pas yes pour yon, on l'a fait dans le Mexique. Est-ce que vous même, un an sans fait dans le Mexique, vous considérez comme yon l'a fait? Non. Le Mexique, c'est un pays, ça m'a passé déjà un pire même, parce que moi, adapté ma. En pile, je ne sais pas parce que je parle la langue. Hein. Mais ce qu'on a fait pour les Haïtiens qui ne parlent pas, je ne vais pas juger. Okay. Mais si les Haïtiens ne parlent pas, ils ne peuvent pas faire ça. Depuis que je suis venu à mon travail, je mange, je ne dois pas faire gros bagages parce que je ne suis pas stable et je ne suis pas trop focus sur si je prête, si je prête. Ça cause que les bagages ne peuvent pas réaliser, je ne peux pas réaliser. Et c'est un coup, je suis prêt au Mexique, je suis réalisé un peu de bail, mettre business, moi tout ça me décafé. Alors, où est-ce que vous avez dans le Mexique? Oui, moi, je suis venu, mais sauf que je ne suis pas focus. Imaginez, on est ici. Je ne pas focus sur une décision exacte, si vous avez prêté ou pas. Oui, parce que vous avez réalisé dans un pays, il faut décider que vous êtes stable. Vous avez commencé à faire des débats, vous avez commencé à jusqu'à 10, vous avez dit. Mais je ne suis pas stable, même à la dernière minute, je suis prêt à essayer. Canada m'a fait ça, m'a fait, vous comprenez ça? Mais le Mexique, bah, ouais, il a fait, j'ai dit là. Ok, et une dernière question. Comparativement entre Mexique avec Chili, et comment est-ce que des pays ça? Parce que nous n'avons pas quatre nègres Chili qui font pile full life pour Chili. Est-ce que vous êtes un nègre qui entre dans la logique et pas un autre pays qui peut passer Chili, qui a plus d'opportunités passer Chili? Grand bagaille tout. Puis faut haïtien yo. Là où tu allé Chili, tu es stable Chili. Au moins ça me dit là. Tu es stable Chili avait dit yo vivre des pays en même. Même puis faut haïtien qui passe ici yo pas connait des pays, yo juste passé. Au moins mayo égal la gagne mon qui va sortir l'arrivée là, ni fait mais dans l'attente c'est pas découvrir pays vraiment, yo juste opiner des zones côté ouais ouais. Yeah, tant que moi même qui t'ai vivre Chili, me fait en Chili, me font petit temps ici. Chili même j'ai côté belle ici, j'ai côté belle Chili tout. OK. Yeah, donc on va comparer place centrale là, donc on va comparer centre-ville là Chili avec centre-ville Mexique là. Centre-ville chilien plus belle. OK. Chilien plus belle. Mais pour opportunité, moi Mexique by plus opportunité parce que Mexique a plusieurs options même. Okay. On doit choisir. On doit pas choisir rester dans Ciudad Mexico ou aller Cancun. Yeah, ou aller Tijuana, ou aller Mexique. Légal, hein? Yeah, ou gen plus option. Yeah. Faut que papier. Elle finit papier à plus rapide tout. Okay. Mais Chili gen moun ki gen 4 ans, combien de temps? Ou gen papier, m'fè 4 ans Chili. 10 ans même? M'fè 4 ans Chili. Si Chili te baye papier, m'fè 4 ans Chili. Ou pas dire m'gen résidence permanente Chili? Ya? Nada. Le ou te reporte m'dap tourne Chili, ou bon. Mais si m'te gen dans Mexique là, m'dap bon résidence. Si Mexique ne fait 4 ans, m'dap bon résidence indéfinie, men. Pour toute la vie, ou bon. So, elle finit Mexique. Ou gen business, ou ka fè an pile business, business marche bientôt. An pile site là. Yeah. Eh bien, d'accord, merci frère Watson. Ça fait quelques années depuis nous gen amitié et me vraiment content. République Dominicaine nous contre, Haïti nous contre, mais yeah, ici de la pire. Nous chercher, nous chercher. Yeah, n'a marché. Léonard sur tout côté. Léonard, merci et me souhaite au succès, bon voyage. Yeah. Et dans quelques jours là on va rentrer. En plus, quel moun yo suivre sur réseau? Comment on peut les réseau même? Ah, Watson Augustin, What Beats. Watson Augustin toujours, yeah, man. Yeah, sur Facebook, yeah. YouTube, Instagram. Mon avis, nous vous capable de suivre. Puis, qui sont devenus dans le Canada. Moi, la grand pile bas, ouais. Moi, la grand pile bas, man. D'accord, frère, merci. Parce que dans l'autre occasion, et n'a pas pu dialoguer. Continuez comme ça, frère. Mon bain net. Et bien, d'accord, merci à vous-même qui t'avez regardé, qui t'avez un commentaire, dis-moi qui sont pensés de l'histoire Watson. Et puis, tout, partagez la vidéo pour plus pour nous capables de venir après dans l'autre vidéo. À la prochaine.